Bonjour. Bonjour.
Bonjour, est-ce que quelqu'un m'entend? Oui, moi je suis là aussi. Bonjour. Ah, donc c'est bon, j'ai bien du son et le micro fonctionne alors. Bon, bah, bonjour à tous. Bonjour. 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 Et bonjour à tous. Bienvenue. Bienvenue. Est-ce Bonjour. que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien pour commencer? Vous avez vu, il y a le chat. Vous avez pour l'instant encore les micros ouverts. Profitez-en. Est-ce Oui, que vous on vous voit m'entendez? bien. On Oui, m'entend oui. bien. Très bien. Parfait. Bonjour Franco, Stéphanie, Khadija, Gareth. Hello Gareth, merci de ton aide. Si techniquement, je suis toute seule normalement là du club, mais non, là, tu es là. Il y a plein d'autres gens du club certainement, mais qui sont. Tu es le professionnel au niveau technique, alors je compte sur toi. Écoute. Merci beaucoup, merci de votre présence. Il est 11h, on attend encore 2 petites minutes parce que voilà, nous sommes. Apparemment, encore beaucoup plus de personnes étaient inscrites. Donc, on va laisser encore quelques minutes aux personnes pour s'installer. Profitez-vous aussi, profitez-en également pour vous installer. Je vous ai invité à prendre de l'eau à boire près de vous. Ça va être utile. Donc, vous avez encore le temps de vous équiper, je dirais. Bonjour. Bonjour Hélène. Bonjour Bonjour Christophe. à tout le monde. Bonjour Coralie. Alors vous pouvez en profiter. Moi, je vais me présenter aussi dès qu'on va commencer. Mais si vous voulez profiter donc du chat pour vous présenter, présenter votre société, votre activité. Profitez-en. Certains d'entre vous, vous connaissez déjà, d'autres pas. Vous savez que vous pouvez communiquer avec tout le monde ou alors si vous cliquez sur la petite flèche à côté de tout le monde, vous pouvez communiquer en particulier avec les uns ou les autres. Regarde. L'enregistrement. Alors, on va y aller dans 1 minute. ADG Software, société spécialisée dans le développement du logiciel. Merci Franco pour votre présentation. Ravi de faire votre connaissance. Merci à vous. Merci Khadija, bienvenue également. Alors, ce qu'on va voir, bien sûr, est particulièrement intéressant aussi dans le domaine des ressources humaines, pour vous, oui, mais aussi donc pour votre personnel, la valise à cheval. Gareth. Voilà, alors quand on va commencer, je vais couper vos micros si j'y arrive.
Oh bah Gareth, j'ai besoin de ton aide pour couper les micros. Ah si, ça y est, c'est dans peut-être au niveau du chat que je peux faire ça. Non, non, le chat, c'est pour discuter par écrit, donc c'est dans les paramètres. Mais demande à chacun de couper chacun son micro. Oui, c'est ce que je vais faire, ça va être plus simple, parce que comme c'est enregistré, le mieux, si vous voulez bien, pour que l'atelier ne soit pas interrompu, peut-être par des visites que vous auriez vous aussi sur votre travail. Bienvenue, Emmanuel. Eh bien, si vous voulez bien couper votre micro, on n'en aura pas besoin. On va commencer avec 40 minutes d'intervention de ma part et des possibilités pour vous d'interaction par le chat. Donc, si vous avez des questions en cours d'exposé, en cours d'atelier, bien sûr, n'hésitez pas. J'ai l'œil toujours sur le chat. Vous n'êtes pas si nombreux et même si je suis toute seule, je vais pouvoir suivre. OK. Et les micros, en revanche, vous pourrez les réouvrir à la suite de l'atelier en lui-même où 20 minutes seront réservées pour les questions-réponses. Voilà, alors on est parti. Donc, juste. Le sujet du jour. Vous le connaissez, donc c'est comment améliorer son bien-être émotionnel au travail. Voilà. Alors, je suis toute seule un peu pour tout faire, ce n'est pas forcément le top. Est-ce qu'il veut bien, mon diaporama veut-il partir? Ah ben voilà, c'est toujours comme ça. Voilà. Est-ce que vous voyez bien? Alors, bon, j'espère en tout cas. Alors, Nous on va n'avons traiter pas du bien-être l'écran partagé. émotionnel. Pardon? Nous n'avons pas votre écran partagé. Vous n'avez pas l'écran partagé. Alors, merci de me le signer, de me le signaler, Franco. Comment ça se fait? Ah, ça y est, je vois les problèmes. Nous sommes là. Hop. Et là, est-ce que ça va? Très bien. En tout cas, voilà, merci beaucoup. Alors, comment améliorer son bien-être émotionnel au travail? Alors, ce que je veux vous préciser, c'est qu'aujourd'hui, ça ne va pas être forcément quelque chose qui va ressembler beaucoup à une conférence, mais c'est quelque chose qui va être aussi interactif, où on va donc pouvoir notamment expérimenter un outil très simple. Et pour améliorer votre bien-être émotionnel. Et là où je veux préciser une chose, c'est que bien sûr l'intitulé aujourd'hui, c'est au travail, parce que ce dont je vais vous parler et les outils que je vais vous donner, c'est des outils très simples que vous pourrez intégrer dans votre travail. Mais en fait, il faut bien être clair, le bien-être émotionnel, on ne peut pas le saucissonner. Le bien-être émotionnel, c'est quelque chose qui se travaille de manière dans son environnement personnel comme au travail. Maintenant, c'est vrai qu'on a cette orientation, cette spécificité, cette intention de faire en sorte que ce soit OK pour vous au travail, mais ce dont je vais vous parler, c'est des outils de base et vous vous apercevrez que finalement, ben oui, ça va vous aider aussi dans votre domaine personnel. Alors, comme c'est un atelier pratique, je vous invite à couper toute sollicitation extérieure, si vous voulez bien, votre téléphone. Et si possible, si vous voulez tirer avantage de ce moment ensemble, concentrez-vous sur ce qui se passe là, maintenant. Alors, je vais vous...
Alors, je vais commencer pour ceux qui ont bien voulu se présenter. Merci beaucoup. Merci Hélène aussi. Et je vais donc commencer par me présenter. Magali Baquet, je suis coach, formatrice et je suis spécialiste donc, en gestion du stress et des émotions. J'interviens aussi bien dans le cadre des entreprises, dans le cadre de formation à proprement parler, que auprès des particuliers avec des formules de coaching personnalisé, notamment en ligne. Ma spécificité, c'est de pouvoir faire suivre des formations par des interventions régulières en ligne qui vont vraiment être des rappels et permettre une intégration de ce qui va être appris le temps des formations. Parce que vous le savez certainement, le gros problème des formations, c'est bien ça. On sort de la journée de formation, on est des pros, c'est super, on sait tout, on a tout compris. Puis la semaine suivante, eh ben, c'était quoi le thème de la formation, gestion des priorités, gestion du temps. Ah oui, ben, par quoi je commence, ben, voilà. Donc, l'idée vraiment et la proposition, et le en ligne, c'est le gros avantage, donc c'est de permettre des rappels, avec des rappels parfois d'une heure seulement. C'est pourquoi je vous dis là, ces 40 minutes, elles vont être déjà utiles pour vous. Hein. Alors, on va en profiter. Alors, j'ai... Pour les partages d'écran, je suis encore un petit peu... Vous allez me dire si vous voyez quelque chose, mais je ne suis pas la meilleure, je vois. Est-ce que vous voyez une nouvelle slide ou pas, mes amis? S'il vous plaît. Oui. Vous pouvez mettre le micro ou Gareth, tu peux me dire. On voit. Là, on voit ton bureau de travail, donc on aperçoit... Et alors, je n'arrive pas à vous mettre la diapo suivante. Attends, ça y est, j'ai compris. Hop, je vais faire ça. Voilà, c'est mieux ça? Non. Par contre, tout. Ah voilà. C'est pas entier, par contre. Par contre, c'est bon. Non, ouais, c'est trop gros. Il faudrait. Oh mon Dieu. Eh bien, écoutez, on va faire sans, hein, je crois, parce que là, même si c'était préparé. Si je peux me permettre, faites juste échappe pour revenir à la page d'avant. Super. Donc, en principe. Voilà, et juste en bas, tout en bas dans l'onglet, à côté du curseur pour augmenter ou fermer, vous avez un petit diaporama, une espèce de petite télé sur pied. Là Oui. Ça y est. En principe, il devrait venir. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est mon activité. Et voilà le plan de notre atelier. Merci beaucoup pour l'aide. Alors, on va commencer par le rôle des émotions. Ensuite, on va voir les trois clés de bien-être émotionnel, dont celle qu'on va faire ensemble. Et puis, après, questions-réponses, et vous proposer d'aller plus loin si vous le souhaitez. Alors, ben vous voyez, je vous mets même la réponse à la première question que je voulais vous poser. Le rôle des émotions. Dans le chat, ou si vous prenez la parole, ça va aller plus vite aussi. Pour vous, les émotions, à votre avis, c'est quoi le rôle? Sachant que je vous laisse le temps d'y répondre et en attendant, j'en profite pour vous féliciter car si vous vous réservez aujourd'hui ce temps, j'imagine que c'est certainement déjà pour vous, mais aussi pour faire en sorte que vous, dans votre entreprise, la gestion des émotions ne soit pas un facteur bloquant ou au contraire, puisse être un levier. Je vous dis félicitations, une félicitation encore plus, je veux dire, sincère, parce que les émotions, pour en être une spécialiste dans mon domaine professionnel, au niveau de l'entreprise, ça reste quelque chose de tabou, de complètement tabou, et à tel point que c'est justement pour cela que ça ne marche pas et que c'est très bloquant. Dans le fonctionnement de l'entreprise elle-même. Alors, réaction au stress, alors ça c'est la définition, merci David, l'expression d'un changement physiologique. Oui, on parle bien effectivement de changement physiologique au niveau de l'émotion. Exprimer sa réaction à des stimuli et son
et sont distincts des sentiments. En tout cas, oui, c'est les émotions sont reliées aux sentiments, mais elles sont aussi différentes. Elles peuvent être dissociées des sentiments, tout à fait. Merci Coralie. Alors, on n'a pas beaucoup de temps, hein, alors on ne va pas pouvoir aller beaucoup dans la théorie. Mais permettre de transmettre notre état d'esprit à l'instant T et de là, et de partager aux autres. Oui, on communique énormément avec les émotions, Isabelle, ça c'est sûr. Et c'est bien justement pour ça que c'est hyper important dans un fonctionnement de toute société, que ce soit société privée, le couple, ou société entreprise. OK, donc on communique avec nos émotions, ça c'est vrai. Les émotions, ça part d'un principe physiologique, on en parlera plus tard. Mais le rôle des émotions, en tout cas quand on s'intéresse à la gestion des émotions, ce qui est précieux, c'est de considérer que les émotions sont des signaux. Elles nous permettent de repérer quel est le besoin qui n'est pas satisfait. On va avoir une réaction émotionnelle, que ce soit de la colère, de la joie. Alors la joie, c'est au contraire, le besoin est complètement satisfait. Hein. Les quatre émotions, enfin, on peut distinguer un certain nombre d'émotions en fonction des différentes écoles, mais moi, je pars sur quatre émotions de base, la joie, la tristesse, la colère et la peur. Donc, ces émotions, quand elles nous arrivent, et c'est là le cadeau, et souvent, on ne voit pas le cadeau. Ce qu'il faut savoir, c'est que les émotions, ce sont des signaux, des panneaux indicateurs qui nous permettent de repérer où est-ce qu'on en est par rapport à nos besoins. Si je suis super en colère parce que j'ai une demande de la part de mon cadre supérieur de rendre tel dossier pour telle date et que ça me met en colère parce qu'il me le fait encore la veille pour le lendemain, ben, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui n'est pas respecté pour moi? Quel est le besoin qui n'est pas respecté chez moi? En général, quand on se retrouve tout le temps dépassé par nos émotions, c'est qu'on n'a pas compris ça. Or là, vraiment, ça, c'est l'information hyper importante que je vous livre, si vous ne l'aviez pas encore, ou si vous l'avez déjà eue, remettez-vous-la à l'esprit. Les émotions, elles vont vous permettre de considérer quels sont les besoins ou de vous dire il y a quelque chose qui n'est pas satisfait. Il y a un besoin qui n'est pas satisfait et c'est quoi? C'est ça l'intérêt de l'émotion. Alors, quand je me suis présentée tout à l'heure, j'ai manqué de vous indiquer ma spécialité. Alors, on va aborder les trois clés donc, pour bien gérer les émotions. Mieux les gérer en tout cas. Et ma spécialité, donc, c'est la gestion des émotions, mais en particulier avec un outil qui s'appelle les outils de la pleine conscience, ou en anglais mindfulness. Alors, qu'est-ce que ça peut avoir à faire avec les émotions et la gestion des émotions, la mindfulness? Est-ce que certains d'entre vous connaissent ces outils? Ça vous dit quelque chose ou rien du tout? Mindfulness, ça veut dire pleine conscience. Les outils de pleine conscience, on dit aussi des fois méditation de pleine conscience. Et c'est des outils qui aujourd'hui sont introduits dans l'entreprise. Des grands groupes comme Google, LinkedIn les utilisent les premiers. Vous avez aussi les mutuelles du Mans, d'ailleurs, qui ont bien considéré ça. Khadija, non, pas du tout. Alors, c'est intéressant. Donc, vous allez avoir donc une information nouvelle. Tout ce qui concerne les émotions, et quand je vous dis que les émotions sont des signaux, oui, d'accord, c'est des signaux, mais souvent, ce qui fait le propre d'émotion, c'est qu'on est submergé, parce que c'est un phénomène physiologique. Parce que la pensée ou la situation va provoquer des stimuli qui vont générer, par exemple, au niveau de la peur, vont produire toute une flopée d'hormones dans votre corps et vous allez fonctionner presque sans être en mesure de contrôler ça. Présence à soi. Oui, Stéphane,
C'est quelque chose comme ça, la méditation de pleine conscience. En tout cas, c'est des outils qui aident à être présent, à quitter un mode habituel de fonctionnement qui est le nôtre la plupart du temps, qui est le mode faire, qui est le mode automatique et qui engendre donc des réactions automatiques, vers un mode qui est plus être, de l'être, qui relève de être présent à soi, à son corps, être présent aux autres et à tout ce qui nous entoure. Voilà, je voudrais vous parler un petit peu, donc je fais donc être présent avec vous tous en ligne et avec le chat, ben oui, c'est un exercice de présence et c'est pas rien, plus le côté technique. C'est notre société qui nous amène à être vraiment maintenant des spécialistes de la présence, en fait. Et on ne l'est pas de manière innée. Notre société, au contraire, nous éloigne le plus possible de cet état. C'est pourquoi les outils de la pleine conscience sont absolument indispensables et utiles pour gérer les émotions aujourd'hui. On a appris aux enfants, nous on a appris et on apprend à nos enfants à se laver les dents. Eh bien, dites-vous que on est très proche aujourd'hui d'être dans l'obligation d'apprendre les outils de pleine conscience ou des choses très proches pour pouvoir vivre dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Parce qu'on a une sursollicitation de par la digitalisation, l'accélération du travail avec les mails. Et on est obligé, du coup, de pouvoir offrir de temps en temps à notre cerveau des parenthèses, des pauses qui vont lui permettre ensuite de pouvoir mieux gérer les émotions, mieux gérer l'ensemble de notre organisme. Donc, le rôle des émotions, et ça, c'est pas valable seulement pour la pleine conscience, toutes les personnes qui s'occupent, qui s'intéressent à la gestion des émotions, elles considèrent que les émotions sont des... Vous êtes pilote d'un avion, l'avion c'est vous, c'est votre corps en fait. Eh bien, vous avez besoin de voyants lumineux. Vous avez besoin d'un voyant qui vous dit, il n'y a plus d'essence. Les émotions, c'est ça. Donc, c'est la bonne nouvelle. Si vous en avez, si vous les ressentez encore, c'est une très bonne nouvelle. Vous allez pouvoir vous dire, ah, qu'est-ce que je fais avec ça? Et je l'utilise comme levier ensuite pour m'ajuster aux besoins, à la situation. Mais pour pouvoir faire ça, il faut pouvoir en avoir conscience déjà. Donc, bravo, vous êtes là pour vous former là-dessus. Vous avez déjà cette information-là. Et ensuite, il faut pouvoir prendre un certain recul. Et c'est les outils donc, que je vais vous proposer, les trois clés qu'on va voir ensemble là, successivement. Alors, la première clé qui est un outil... Est-ce que vous avez des questions? Je sais qu'on est, juste dans le timing, mais si d'aventure vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter pour après. Donc, la première clé que je souhaite vous permettre d'expérimenter, c'est un outil donc à vraiment à proprement parler de pleine conscience qui s'appelle la méditation du sablier. Donc, pour la faire, pour réaliser cet exercice, vraiment coupez-vous du téléphone comme le mien qui vient de sonner, mais c'était juste une alarme, mais voilà. Fermez la porte de votre bureau si vous êtes dans votre bureau et que vous risquez d'être dérangé parce que là, ça ne va pas durer longtemps, mais il faut pouvoir être tranquille. Vous êtes prêts? Donc, vous pouvez rester assis sur votre chaise et je vais simplement vous guider dans un exercice que vous allez faire, les jambes décroisées, les pieds posés à bien à plat sur le sol. Prenez une position assise, confortable. Les mains décroisées aussi, posées sur les cuisses. Les paumes soit vers la terre, soit vers le ciel, comme vous voulez. Vous pouvez vous installer le dos contre votre fauteuil, si vous en avez besoin. Mais sinon, vous pouvez vous mettre un petit peu sur l'avant de votre chaise, de manière à placer votre dos droit. Ni trop tendu, ni trop relax. C'est le principe. Donc, soyez pas attendu comme ça, hein. Placez simplement votre dos. Et là, ce qu'on est en train de faire et les orientations que je suis en train de vous donner,
ça vous amène déjà à vous relier à votre corps. Donc, en soi, c'est déjà quelque chose qui est différent de l'état dans lequel vous étiez avant, parce qu'avant, vous pensiez à ce dont je vous parlais, peut-être vous aviez du jugement sur ce que je pouvais dire. Là, je suis en train de vous dire, ressentez votre dos, votre position du dos, et placez-le relax, ni trop relax, ni trop tendu, mais digne. Voilà, tout simplement. Je vais vous proposer donc de soit avoir les yeux mi-clos, soit les yeux fermés. C'est un exercice qui va durer pas très longtemps, 3-4 minutes. Et appliquez-vous du mieux que vous pouvez à suivre les instructions que je vais vous donner. Ça va? Vous êtes prêts? Il n'y a aucun risque, hein, ça fait pas mal. Voilà. Bon, je n'ai pas de réponse, mais j'espère que vous êtes bien tous là quand même. Hein. Ouais, vous êtes 17, bravo. Pas de problème, le casque, c'est possible. Et évidemment, pour m'entendre. Alors, vous fermez les yeux. Ou vous les gardez mi-clos. Et pour commencer, tout simplement, je vous propose de porter votre attention sur les bruits qui sont à l'extérieur de la pièce dans laquelle vous vous trouvez, les bruits qui sont les plus éloignés de vous. Juste essayez de les percevoir, s'il n'y en a pas, il n'y en a pas, sinon, ça peut être les bruits de la rue autour de vous. Peut-être si vous percevez, si vous êtes chez vous, le chant de quelques oiseaux, quoi que ce soit. Puis, rapprochez votre attention pour être à l'écoute des bruits qui sont plus proches de vous dans la pièce où vous vous trouvez. Peut-être ça peut être le bruit du ventilateur de l'ordinateur qui est là, près de vous. Et puis vous allez même vous amuser à être dans l'observation des bruits qui peut-être que peut-être vous pouvez percevoir à l'intérieur de vous, que ce soit au niveau de votre respiration, de votre ventre, ou d'acouphènes, si vous avez des acouphènes. Et si vous n'entendez rien, bien écoutez simplement ce silence à l'intérieur de vous. Et alors que vous êtes à l'intérieur de vous, je vous propose justement de vous demander d'orienter votre attention sur là, dans l'instant. Que se passe-t-il à l'intérieur de moi? Qu'est-ce qui domine? Quelle est l'émotion dominante? Ou quelle est la sensation ou la pensée dominante? Juste, je la reconnais, je mets un mot dessus. Puis, je vous invite à vous concentrer en quelque sorte sur les mouvements de votre corps qui sont reliés à l'inspiration puis l'expiration, sur une, deux ou trois inspires et expires. Appliquez-vous du mieux que vous pouvez à suivre
les mouvements de l'air à l'intérieur de vous. Ou à ressentir les mouvements de votre corps en relation avec l'inspiration et l'expiration. Vous n'avez rien à vouloir changer, juste observer. Puis, à la fin de l'expiration, revenez à l'intérieur de vous-même comme pour faire à nouveau le tour du propriétaire. Regardez quelle est votre émotion principale ou quel est votre état d'être de l'instant, maintenant. Y a-t-il une sensation au niveau de votre corps en particulier qui est toujours là, très présente? Ou pas? Juste notez-le. Et revenez doucement à l'écoute des sons, des bruits qui peuvent être perçu à l'intérieur de vous. Des bruits qui vous environnent, là, juste tout près de vous. Puis élargissez votre écoute. Et toute votre attention aux bruits qui sont encore donc plus éloignés de vous, au-delà de la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Juste amusez-vous à les percevoir s'il y en a. Alors, je vous fais juste quelques petits claquements de doigts pour vous indiquer que l'exercice en lui-même est terminé, que vous pouvez réouvrir les yeux tranquillement et prendre juste un petit moment pour ressentir comment vous vous sentez là maintenant. Est-ce qu'il y a une différence par rapport à tout à l'heure, si certains d'entre vous veulent l'indiquer dans le chat? Comment s'est passé pour vous, Coralie? Merci, plus ancré. Comment s'est passé pour vous l'exercice? Est-ce que c'était quelque chose de complètement nouveau et c'est tout à fait possible? Du coup, vous vous êtes trouvé peut-être un petit peu déstabilisé, perdu ou... Est-ce que c'était facile pour vous de suivre les indications? Ça calme l'esprit, Isabelle, merci. Plus tranquille. Alors, on a pris 5 minutes. Hein? 5 minutes. C'était la première fois que je vous le faisais, mais c'est un exercice qu'on peut faire en... Alors, c'est pas la course, mais c'est un exercice qu'on peut faire une fois qu'on en a... le fil conducteur et la pratique, en 3 minutes, 4 minutes, on peut le faire. Apaisée et sereine, Karine, merci pour vos retours. Ok, Emmanuel, Eh bien oui, mais le rappel, et la répétition est la mère du succès dans tous les domaines et en plus que jamais dans... Ben oui, je sais, Gareth, que tu fais ça, bien sûr. Tu appelles ça l'instant présent, mais c'est le bon mot. Hein? Et les chevaux et tout, ils sont particulièrement sensibles. Les animaux, ne sont pas dans leur tête comme nous, donc ils savent faire ça. Sensation de sérénité top. Donc, est-ce que vous connaissiez, donc Gareth connaissait, Emmanuel connaissait, pour les autres qui ont trouvé déjà du calme en 5 minutes, plus de calme, est-ce que vous connaissiez? Coralie, oui, ok.
Donc, vous avez vu, c'est la méditation du sablier simple. On va percevoir les sons les plus éloignés. On va ressentir, enfin, on va également entendre si on peut, si on a. Oui, vous connaissiez, ok, très apaisant. Pour Khadija, super. D'accord. Donc, on va écouter aussi les sons à l'intérieur de nous si on en a. Puis, hop, un petit tour sur qu'est-ce qui se passe, où je suis là. Est-ce que c'est vraiment une pensée dominante qui est là ou est-ce que c'est quelque chose qui... un stress que je peux ressentir à l'intérieur ou une douleur, une tension au niveau des épaules. Alors oui, oui, quand on a un bureau, mais en fait, vous allez voir qu'on ait un bureau ou pas de bureau, cette connexion à notre corps et à l'instant, alors c'est plus ou moins facilité, mais avec de la pratique, il y a des moyens très simples d'y revenir. Oui, bien sûr, le yoga, la méditation fait partie de ces outils traditionnels et qui s'inscrivent dans le yoga, mais les outils de pleine conscience ont été adaptés à nos modes de vie, laïcisés aussi complètement, et donc mis à portée du plus grand nombre, à portée de main du plus grand nombre. Et on a des déclinaisons simples pour le quotidien et pour également le milieu du travail. Les outils de pleine conscience, ils vont faciliter cette prise de distance qui est nécessaire quand il y a une émotion qui nous envahit. L'émotion, elle ne dure pas longtemps. Physiologiquement, elle est faite pour être brève. Si jamais ça s'inscrit dans le temps et que ça devient chronique, c'est parce qu'il y a un problème, effectivement. Et là, ça ne va pas suffire. Hein. Ah ben, ok, ben, y en a qui sont déjà à pratiquer la méditation. Ben, parfait. Parfait. Donc, c'est vraiment très utile pour pouvoir prendre cette distance par rapport à l'émotion et ensuite, donc, pour pouvoir au mieux s'ajuster dans le travail. Donc, la première clé, je viens de vous la proposer, c'est cet fameux exercice de pleine conscience du sablier. Ok. Alors, c'est à faire par anticipation avec un événement qu'on sait qui va être stressant pour nous. C'est à faire également après. Et ça, c'est souvent ce qu'on n'imagine pas. Récemment encore, dans le cadre du milieu professionnel, j'ai eu la possibilité d'assister à une esclandre dans le couloir entre un responsable de service et une infirmière. Après la situation qui ne s'est pas résolue tout de suite, en allant m'approcher de chacune des personnes, il n'y avait pas du tout de conscience que même si elles étaient allées bien au-delà de ce qu'elles avaient imaginé au niveau du moment, de l'instant T, mais il y avait possibilité de quand même prendre du recul par rapport à ça et voir c'était pas finalement si grave que ça la situation. Ben non, ça c'était pas possible. Quand on va pouvoir descendre dans les tours entre guillemets avec ce genre d'exercice, on va pouvoir porter un autre regard sur l'événement lui-même et revenir dessus avec des explications. Voilà pourquoi moi j'ai réagi comme ça et peut-être que quand même tu avais raison. Il fallait bien que je fasse, que je m'organise autrement comme tu me le demandais. Mais là, s'il n'y a pas de prise de recul, l'ajustement derrière ne peut pas être utile. Et l'émotion, elle aura servi à rien, si ce n'est au contraire mettre des personnes en opposition. Ok. Alors, j'ai deux autres clés à vous partager. Il ne me reste plus beaucoup de temps, donc, mais c'est très bien, on a commencé par l'essentiel. C'est une. Alors, je vais enfoncer une porte ouverte pour la deuxième clé, mais parce que justement, les émotions, elles sont gérées aussi vraiment au niveau physiologique. Et si vous avez, entre guillemets, des problèmes émotionnels, ou si vous êtes très émotionnel, ou si vous êtes très sollicité par cela au niveau de votre travail, eh bien, une des meilleures propositions que je peux vous faire, et ce ne sera pas sur le travail lui-même, là, non, c'est vrai, enfin, si, pour une partie. Ben, c'est faire en sorte que votre corps soit oxygéné au maximum
et hydrater également au maximum. Parce que ce mécanisme émotionnel qui va produire des hormones et qui va produire aussi des toxines quand on a un stress chronique qui est mis en place et donc gérer des inflammations, c'est grâce au sport. Oui, l'hypersensibilité, ben ça c'est, si vous êtes hypersensible, ce que je vais vous dire là, c'est plus que jamais nécessaire. Bougez votre corps. Et d'une, deuxièmement, buvez, hydratez-vous. Et cette information, je vous ai proposé de prendre de l'eau à côté de vous parce qu'on va faire la troisième clé, elle est en relation avec l'eau et avec une astuce que vous pouvez utiliser dans votre travail. L'eau, on devrait, pour avoir un bon fonctionnement, pour avoir une hydratation correcte et pouvoir faire en sorte que notre corps élimine toutes les toxines qui l'encombrent et qui dérèglent aussi donc notre fonctionnement émotionnel. Ce n'est vraiment pas secondaire ce que je vous dis là. Si ne serait-ce que vous faites ça, vous augmentez votre activité physique une fois par jour, si vous ne faites pas de sport régulièrement, il faut au moins que vous ayez à l'esprit d'augmenter votre rythme cardiaque d'une manière ou d'une autre. Si vous avez des escaliers dans votre... dans le cadre de votre activité professionnelle, profitez-en. Ça vous fera le plus grand bien. Donc, exercice physique pour oxygéner le corps, hydratation. Ça, c'était donc la deuxième clé. Et la troisième clé, c'est utiliser l'eau. Utiliser l'eau et le fait de boire de l'eau pour être dans le présent. Donc là, la proposition, parce que les outils de pleine conscience, se retrouver à méditer ou à fermer les yeux sur le travail. Si on peut fermer la porte du bureau, c'est OK, mais sinon, c'est un peu gênant. Là, je vais vous proposer de la pleine conscience juste avec votre bouteille d'eau. Donc, au niveau de l'eau, on dit 30 ml par kilo et par jour. Hein, ça, c'est l'indication. Donc, vous avez de quoi vous amuser. Et moi, je vous propose en fait d'utiliser votre temps où vous allez vous hydrater pour vous relier à votre corps. Quand on a fait l'exercice du sablier, là, on se reliait à l'instant présent, comme disait Gareth. On peut le faire de plein de manières, et la meilleure manière pour se relier au présent, pour se déconnecter d'un mode qui est le mode faire et qui nous emmène dans des travers émotionnels notamment, eh bien, c'est d'utiliser nos sens. Pour ça, dans la méditation du sablier, je vous propose d'être à l'écoute. Il y a le goût aussi, il y a le toucher, enfin nos cinq sens. Et quand on boit de l'eau, on est justement dans la sensation. Et ça, c'est autorisé au travail, boire de l'eau, on est OK. Donc, moi, la proposition, c'est quand vous vous servez de l'eau, et si vous buvez plus d'eau, comme je vous l'indique, vous allez donc le faire un certain nombre de fois dans la journée, donc c'est top. Mais si au moins vous pouvez le faire en conscience 2-3 fois dans la journée, ce sera génial. Vous avez versé votre verre d'eau, vous prenez votre verre et vous ressentez la fraîcheur du verre sur vos mains, sur vos doigts. La vue aussi. Vous regardez l'eau, la transparence. Vous ne ferez pas... Si vous avez un collègue en face de vous, vous le ferez moins bien. Hein? Mais si vous êtes seul, vous allez encore pouvoir vous amuser. C'est vraiment très précieux hein, ce que je vous donne comme indication. Vous vous amusez à regarder les reflets dans l'eau. Et quand vous buvez l'eau, vous allez apprécier l'eau peut-être comme jamais vous l'avez fait. Vous avez de l'eau là à côté de vous, je vous avais proposé de prendre de l'eau. Faites-le. Reliez-vous comme ceci à votre verre d'eau, à votre eau. Il y a la sensation, quand vous allez boire l'eau, de l'eau dans votre bouche et de l'eau qui s'écoule jusqu'à votre estomac, même peut-être vous allez sentir l'eau descendre complètement dans votre corps. Ça, c'est ma troisième clé. Troisième clé qui se réalise, mais alors, le plus discrètement du monde, mais qui est vraiment... qui va faire une différence dans votre état d'être quotidien. Je vous
C'est ma promesse. Alors, la seule condition, c'est de le faire. Hein. Mais ce n'est pas compliqué, vous allez me dire. Hein. Enfin, en tout cas, si vous avez des difficultés, c'est possible. Faites-m'en part. Je n'ai pas de réaction de votre part. Qu'en dites-vous? Est-ce que pour vous, ça vous paraît envisageable que de vous amuser à ça? Sachant que ce que je vous propose relève donc d'études faites aujourd'hui au niveau des neurosciences et qui montrent que cette orientation de l'esprit qu'il faut qu'on, finalement, on est obligé de rééduquer notre esprit pour se relier à notre corps et se relier à la présence de manière à vivre plus sainement et gérer bien plus efficacement les émotions et même réduire le stress. Voilà. Donc, voilà pour les trois clés que j'ai eu beaucoup de plaisir à vous partager. J'espère que il en a été de même pour vous. J'invoque l'eau. Ok, merci beaucoup. Ben je vais regarder ça. Loubaki. Et tout à fait, tout à fait. Alors, Coralie, je ne sais pas si... je n'ai pas noté, retenu dans quel domaine vous êtes, mais on a effectivement l'hydratation du cerveau qui joue aussi, bien sûr, un grand rôle dans toute cette chimie intérieure qui va faire qu'on va être dans une meilleure disposition pour réagir à notre environnement ou pas. Parfait. Alors, permettez-moi, avant de répondre aux questions, simplement de prendre 2 minutes pour vous préciser aussi si d'aventure vous le souhaitiez ou vous en aviez besoin. Vous indiquez que j'ai différentes propositions. Vous pourrez aller regarder sur ma page Facebook. Je vous mettrai ça en lien après. Mais pour ceux et celles qui voudraient avoir une information plus complète sur les principes de la pleine conscience et qui peuvent vraiment, véritablement, donc, vous permettre de modifier votre relation à vous-même, votre relation aux autres et faciliter vos communications, réduire votre stress. Je propose donc des formations coaching personnalisées. Donc, on va vraiment travailler aussi sur la problématique de la personne, de la personne qui fait la demande, sur 8 séances en ligne d'1 heure et demie. Avec donc la possibilité pour vous de bénéficier en plus à l'issue de ces 8 séances de 4 rappels en quelque sorte qui vont vous permettre d'intégrer d'autant mieux toutes ces techniques qui font partie du programme. Donc c'est un programme donc, de coaching, formation de pleine conscience en 8 étapes, 9 étapes en réalité parce que vous avez une première séance où je vous présente en fait de quoi il s'agit, puis ensuite vous faites le saut ou pas, et plus 4 dernières séances d'1 heure. C'est un programme qui coûte 850 €, puisqu'on a vraiment un accompagnement de A à Z, avec des réponses aux questions entre chaque séance, avec des audios, et pour vous, donc, sous réserve de vous inscrire dans les 48 heures de ce webinaire, que je vous remercie d'avoir donc suivi, eh bien, je vous le propose à 700 €. Donc, pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à me recontacter après. Alors, cette parenthèse faite, merci encore donc à vous de votre présence. Félicitations pour votre intérêt quant à améliorer vos émotions, réduire vos stress et vos relations au travail, parce que c'est vraiment un réel cadeau que vous pouvez vous faire à vous-même, aux personnes autour de vous. Et on passe quand même tellement de temps donc, dans nos activités professionnelles les uns les autres. Améliorer aussi votre efficacité et l'efficacité globale de votre entreprise, puisque beaucoup d'entre vous sont des entrepreneurs. C'est pas un sujet anodin, c'est vraiment un sujet essentiel et clé donc pour le succès de votre activité. Alors bravo à vous. Eh ben oui, 2,8 litres. C'est vrai, t'en es loin, Gareth. Ah ben écoute, tu sais que l'eau c'est magique. Hein. Ce dont je vous parle, j'ai expérimenté. Hein. L'activité physique et l'eau en soi, mais c'est incroyable ce que vous allez constater comme changement derrière.
Merci Khadija, merci. Alors, un temps maintenant pour répondre aux questions, à vos questions. Ouvrez vos micros, allez-y, n'hésitez pas, je suis là pour ça. Soyez pas timides. On est entre nous. Alors moi, j'en aurais une. Oui. Donc, pour vous répondre, je suis dans le secteur de l'insertion et de la formation, oui, et aussi du bien-être. Alors, je regarde, je n'ai pas votre prénom qui apparaît. Coralie. Coralie, oui. Coralie. Voilà. Effectivement, donc, quand j'accueille des personnes lors des entretiens de prise de connaissance ou de suivi, je dois traiter l'information de la personne. Aussi un petit peu des éponges, on essaie de prendre ce recul-là. Mm-hmm. Et on doit aussi régler les problématiques, trouver des solutions, préparer l'amorce du plan d'action, tout en traitant, en recevant les mails, notant les synthèses des personnes et en montrant qu'on est présent, et etc., 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 etc. et on enchaîne les personnes au taquet. Et c'est vrai qu'il y a des fois, je me retrouve aussi dans ma vie personnelle à être en décalage. On me parle, j'écoute, mais je traite l'information après. Je vais revenir, je vais me retourner et me dire « Ah ouais, tu m'as dit ça, mais je vais réagir en décalé. » Et comment est-ce qu'on peut mieux appréhender ce décalage de phase ? Bah, alors... C'est un décalage et c'est aussi une qualité. Apparemment, alors je comprends que ça va jusqu'à pour vous déranger, puisque bon, oui. Mais l'intérêt de ce pilote automatique et de notre capacité, c'est de pouvoir traiter plusieurs choses en même temps parfois, oui. Mais il y a des limites. Parce que si on ne respecte pas ces limites, ben, il y a surchauffe, il y a fatigue, il y a stress. Et il y a dysfonctionnement, et puis ben, à la fin, on peut avoir une spirale de l'épuisement. Donc, on est OK, il faut être vigilant. Donc, dans quelle mesure c'est préjudiciable pour vous, ça, c'est à apprécier. Mais, et pour les personnes aussi. Et bien, pour les personnes. L'écoute, donc, on est obligé de taper en même temps, donc c'est pas très… Oui. Alors, il y a deux choses. Il y a l'organisation du travail en soi. Je ne vais pas vous donner des informations par rapport à ça, mais c'est quelque chose qui s'apprécie quand même. Quand vous êtes à un moment donné, peut-être au niveau, ne serait-ce qu'au niveau du bureau, l'ordre, comment c'est quand vous recevez la personne. Bon, ça, c'est le côté matériel, le côté organisationnel. Ça, c'est important, ça va vous aider. Mais il y a un moment donné, ça ne va pas suffire. Ça veut dire qu'au niveau émotionnel, justement, effectivement, il y a quelque chose à regarder. Et là, vu ce que vous m'indiquez, donc c'est une contradiction entre l'instant présent de l'écoute centrée sur la personne et l'écoute active avec l'immédiateté de la tâche. Il faut tout exécuter en même temps et il faut avoir toutes les postures et les rôles en même temps. C'est aussi le secteur qui fait ça. Mais... Oui, alors ce qu'il y a, c'est que vous, encore une fois, on est en mesure de faire plusieurs choses en même temps, mais l'écoute à la personne, on ne peut pas la faire. Avec on est d'accord. D'autres choses en même temps. On est d'accord. C'est pas possible. Donc ça, ce serait peut-être dans votre timing d'accueil de bien serrer ce que vous êtes en train de faire. Parce qu'il y a une clé aussi, évidemment, essentielle de la pleine conscience. Et je vous l'ai donnée à travers celle de boire de l'eau. C'est faire une seule chose à la fois. Mmh. Oui. Bah après, je pense que ce n'est pas qu'une qui fait un... J'entends, bien sûr, le bureau est organisé, le diagnostic ou l'entretien est sectorisé. Je pense que c'est juste le secteur qui nous demande de tout faire en même temps. Et malgré cette situation-là, c'est comment quand même faire. C'est une contradiction hein, dans cette organisation actuelle en insertion et formation. Mm-hmm. Vous recevez les personnes pendant combien de temps ? Une heure. Ok. Alors après, ça dépend en individuel, en collectif. Il y a les ateliers, il y a les sollicitations extérieures qui arrivent, il y a un petit peu, même si on essaie de les limiter. Mais en général, c'est une heure.
vraiment repérer là votre insatisfaction, c'est quoi votre besoin essentiel aussi là, quand vous apercevez que c'est quoi votre pierre d'achoppement, ce qui vous gêne le plus quand vous recevez les personnes. Ah ben c'est les conditions de travail imposées. Alors réellement tout traiter en une heure. On aurait une heure et demie plus de temps avec les personnes, on pourrait le gérer différemment, mais je pense que c'est un non-sens dans la profession. Alors c'est souvent le cas, hein. C'est clair que quand on n'a pas la main sur la modification du contexte, il n'y a plus qu'à considérer, on me demande ça, je vais le faire avec ça, mais moi mon état d'être quand même, on a toujours moyen, au moins dans une certaine mesure, et ça, c'est clair, de changer notre état d'être. Moi, c'est ce que je vous propose. Donc, ça peut être, avant de recevoir les personnes que vous recevez, prendre un temps pour cet espace de méditation de 3 minutes, calez-le au moins une fois le matin, une fois en début d'après-midi. Vraiment, vraiment. Ça changera votre manière d'accueillir les personnes. Oui, je le fais déjà tout ça, comme je vais me rincer les avant-bras à l'eau aussi. Comme... Ah oui, d'accord. Donc, vous avez déjà cette attention-là. Oui. OK. Et par rapport alors ça, c'est autre chose, hein, mais dans l'organisation elle-même et dans la plage horaire d'accueil, est-ce qu'il n'y a pas la possibilité d'exprimer ce besoin plus précisément au niveau des personnes qui organisent? Ça, c'est... Oui, c'est une grande question. Mais franchement, Coralie, c'est Coralie, hein? Oui. Dans votre milieu, plus que jamais, prendre soin de soi-même, prendre soin des autres, ça commence par prendre soi-même, prendre soin de soi-même. Donc, vraiment, cette attention que vous vous réservez pour accueillir bien les autres, veillez vraiment à ce qu'elle soit réelle et arriver à faire correctement le plus possible dans ces parenthèses pour reposer la machine. Oui. Ouais, vraiment, parce qu'on peut aussi se leurrer à considérer qu'on fait l'exercice et puis en fait on décroche pas du tout. Donc voyez, là je peux pas tout voir avec vous, s'il y a besoin derrière on pourra revoir plus précisément ensemble. Voilà les petites pistes que je peux vous donner. Ok, merci. Il faut présenter Madame Baquet. Alors Isabelle, dites-moi ce que vous voulez dire. Sinon, d'autres questions? Merci Coralie, hein, pour votre question. Oui, non, je voulais juste dire, excusez-moi pour la faute d'orthographe, pour votre nom, je voulais juste dire à Coralie qu'il a fallu qu'elle vous présente à son supérieur, peut-être que... Du coup, il intégrerait de nouvelles façons de travailler pour ses employés. Oui, c'est clair qu'on pourrait, on peut faire des choses vraiment et puis vous former plus précisément à ces outils. Parce que, je ne sais pas dans quelle mesure vous et où est-ce que vous avez appris des outils de pleine conscience, comment vous les pratiquez. Alors, ma légitimité, elle vient de ce que… Alors, on a des sensibilités aussi les uns les autres. Mais moi, ma légitimité, elle est double. C'est que je suis quelqu'un d'hypersensible à la base. Donc, en fait, je ne suis pas meilleure que vous, mais je suis absolument handicapée. Si moi, je n'avais pas pratiqué ces outils depuis 20-25 ans, je serais pas, j'aurais pas pu être avocate, je pourrais pas faire ce que je fais aujourd'hui tellement j'étais handicapée. Ça, c'est ma légitimité. Mon autre légitimité par rapport à ces outils, c'est que je les connais depuis 25 ans, effectivement. Et que, alors, on n'a pas besoin de 25 ans de pratique pour pouvoir intégrer ça dans sa vie, mais on a besoin quand même d'avoir les fondamentaux et de ne pas se leurrer. Donc,
Donc oui, on peut intervenir pour former et les gens comme vous qui sont à l'accueil des personnes en difficulté, et puis aussi souvent au niveau des responsables donc, qui organisent les accueils, il y a également besoin de conscience de comment un entretien peut être peut-être d'autant plus profitable si on ne va pas y mettre là, comme aujourd'hui, vous le considérez, mais c'est à voir, apprécier. Vraiment pouvoir se faire entendre aussi de l'autre, souvent, ça permet, ces outils-là permettent de pouvoir mieux se positionner. Par exemple, quand on a vraiment des délais trop courts qui nous sont donnés, plutôt que de renvoyer à la personne qui nous demande de un timing trop court à son supérieur, plutôt que de lui renvoyer une colère, eh bien, c'est d'exprimer dans quelle frustration on se retrouve, nous, à ne pas pouvoir rendre un travail qu'on va considérer comme étant, comme pouvant répondre justement à la demande qui nous est faite. Alors là, de l'autre côté, l'oreille, elle ne va pas être tendue de la même manière. Donc, on a vraiment aussi une facilitation à la communication qui est permise grâce à ces outils. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Profitez-en, on a encore normalement une minute. Mais enfin, voilà, on peut dépasser, on a mis quelques minutes avant de commencer. Vous êtes encore tous là, bravo, félicitations, à moins que certains soient partis, mais vraiment. Alors, je pratique depuis 15 ans, Feldenkrais, yoga, acupression, méditation, etc. Alors, eh ben Coralie, il y a des moments aussi où le système, alors là, je vais pas vous, l'organisation ou les gens qui vous gênent ne font pas les choses non plus forcément comme il convient qu'elles soient faites. Si vous êtes, mais c'est encore beaucoup trop d'employeurs qui n'ont pas la possibilité de voir quand ils le souhaitent, nous sommes sûrement privilégiés. Oui, je me permets, c'est vrai que tout à l'heure, on parlait du fait que l'eau était accessible. Et je reçois encore beaucoup de personnes où, entre guillemets, la pause que j'appelle la pause Maslow, boire de l'eau, aller aux toilettes ou autre, est encore beaucoup compliqué. En fait, on a peut-être des postes privilégiés, c'est loin d'être le cas encore comme généralisation auprès des ouvriers et employés. Et c'est vrai que c'est des choses qu'on doit transmettre aussi. Tout à fait. Mais. C'était pour rebondir. On peut toucher un grand nombre de personnes avec cette histoire quand même de pouvoir boire de l'eau au travail. Hein. C'est quand même donc c'est pourquoi j'utilise ce support. Mais on a plein d'autres moyens que l'eau. Hein. Donc si d'aventure on n'avait pas la possibilité de boire de l'eau, on va avoir d'autres petits exercices qui vont nous permettre de nous relier au corps. Ça c'est vraiment. C'est vraiment ce qui va aider énormément ensuite derrière pour la gestion des émotions. Voilà, bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va être obligé de se séparer ou alors on se fait encore un petit exercice final. Ah oui, 8 heures pour 15 minutes de pause. OK. Alors, 15 minutes de pause, il y a des pauses toilettes en plus ou alors les pauses toilettes, c'est pendant les 15 minutes. Est-ce qu'il y a des moments de déplacement aussi, hein? Parce que c'est important de pouvoir utiliser des moments de déplacement, autant pour le regard, parce que quand on travaille beaucoup sur écran, il est important de donner à nos yeux la possibilité de balayer autre chose, de regarder par la fenêtre. Il y a plein de trucs. Hein? Dans mon cas, dans mon bâtiment, on a la possibilité de se déplacer pour, par exemple, aller aux toilettes, mais c'est très surveillé. Et j'ai des personnes qui travaillent dans le bâtiment d'en face qui sont obligées de demander l'autorisation pour pouvoir être remplacées. Donc, c'est presque au bon vouloir des supérieurs qui sont présents, hein, des encadrants. Et
Parfois aussi, boire de l'eau, oui, ça peut être compliqué parce que on nous demande de ranger nos bouteilles régulièrement parce que, on travaille sur des machines électriques, enfin avec de l'électricité, donc il faut faire attention et pas les renverser non plus. Donc, je rejoins Magali sur ce qu'elle a pu entendre de certaines personnes. Dans le monde industriel, c'est vrai que c'est la pleine conscience, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire peut-être avant de partir et pouvoir faire vraiment en arrivant chez soi. Mais au travail, c'est très compliqué de mettre ça en place. Ah oui, ben les exercices en eux-mêmes sont simples, mais il y a les conditions de travail vont rendre les choses plus compliquées, puisqu'on va être dans un mode automatique, surtout par exemple en travaillant dans l'industrie, avec plus que jamais, on va fonctionner sur des modes d'habitude. Et donc, si vous êtes compressé au point de et surveillé de ne pas pouvoir aller aux toilettes quand vous en avez besoin, oui, je comprends que ça puisse être délicat. Mais ça n'empêche que, effectivement, pratiquer avant et après, pratiquer au sens de l'exercice en lui-même, je m'assois, j'observe ma respiration, des techniques de méditation en elle-même. Mais pendant la journée, il est important de pouvoir faire des micro-coupures et qui ne seront pas vues des autres personnes. Mais ça, je peux vous l'apprendre. Mais ça, c'est sûr. Et oui, alors pour ceux qui nous quittent là, Franco, avec plaisir, merci à vous pour votre présence, merci pour votre écoute, merci Khadija, merci Karine. Très bonne continuation à vous, au plaisir de vous retrouver. Donc, parce que ça n'est... Alors, on va sous-estimer parfois la valeur et l'intérêt de certains comportements qui peuvent paraître très simples, mais qui vont être comme, vous savez, une plante, quand elle n'est pas arrosée, elle se dessèche. Vous lui mettez 2 gouttes d'eau, elle va déjà complètement prendre une autre place. Alors moi, je suis toujours entourée de plantes parce que j'adore ça. Mais ça, c'est souvent l'image que je donne parce que c'est réellement ça. Je vous invite à regarder comment vous allez dormir même ce soir, ne serait-ce que grâce à ces 5 minutes que vous vous êtes accordées là. Vous avez peut-être vécu d'une manière particulière. Donc, ce n'est pas forcément dans la durée. Oui, prenez l'engagement. Tenez-moi au courant par rapport à vos engagements et à l'eau, avec plaisir. Vous verrez, ça va vous changer la vie. Je reviens encore du temps pour soi. Voilà. Oui, s'oxygéner, respirer, débrancher. On a vraiment des modes de vie qui rendent fous. En plus, là, on a un contexte sanitaire qui n'a fait que d'amplifier les phénomènes donc, de stress chronique. Et il est vraiment indispensable que de trouver le moyen de faire baisser la pression. Et il y a ces exercices que vous, quand vous avez un milieu professionnel, vous êtes vraiment pris en tenaille. Vous pouvez au moins vous accorder avant d'y aller et après. Et dans le milieu en lui-même, je peux aussi rapprocher de moi, vous m'expliquer précisément votre situation et on s'amuse à vous donner les astuces qui, tout au long de la journée, vont représenter ces fameuses gouttes d'eau qui vont vous aider à gagner en résilience. Jusqu'à un certain point, le but de la pleine conscience, ce n'est pas de se retrouver non plus, bâillonné de toutes parts, et bon, il y a aussi une justesse d'appréciation de la situation à avoir, mais en général, les personnes qui vont vivre le plus difficilement ces situations-là, c'est des personnes qui vont vouloir bien faire, et même souvent très bien faire, et du coup, elles ne vont même pas elles-mêmes s'autoriser
des choses qui le sont. Ça, c'est important. Donc, encore une fois, revenez vers moi en perso pour qu'on puisse éventuellement donner des réponses et faire évoluer votre situation. Il y a toujours moyen. Il y a toujours moyen. Merci beaucoup, Isabelle. Je vous laisse également. On a largement dépassé. Manuela, Stéphanie, Hélène, Coralie. Et pour ceux que je ne vois pas, Benoît, merci. Gareth, merci de ta présence. Bonne journée. Bonne continuation à vous. Au plaisir de vous retrouver, soit au sein du club. Et alors, j'ai manqué, et je le fais pour terminer, mais de remercier Jean-Pierre. Oh, mon Dieu. Ben, toutes mes excuses, mais Jean-Pierre, merci. Donc, merci à Jean-Pierre Fabre de faire en sorte qu'on puisse, grâce au club, toucher le plus de personnes possible et aider le plus de personnes, personnes possible sur des sujets divers et variés, dont la gestion du stress. Bonne journée à vous, à très bientôt. Et n'hésitez pas, hein, pour l'eau.